réciter un kassida, s'il vous plaît. Et surtout à celles qui ont contribué au cours de l'histoire du
souhaiterait vous faire voyager. Nous ne vivons pas à la découverte des différents pays et peuples de ce monde, mais à quelque chose de plus subtil, de plus sensible et de plus grand. Sa subtilité émerveille les esprits, sa sensibilité ébranle les cœurs, sa tendresse en oublie rien de vous. Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit de la femme. Ainsi, ce court voyage sera consacré aux femmes, et précisément à quelques femmes qui ont marqué la mémoire de l'humanité. Dans le Saint-Coran, à plusieurs reprises, dans différents versets, Allah subhanahu wa ta'ala met l'accent sur une réalité saisissante qui unit un homme et une femme, ou le mari et son épouse. Il décrit cette union non pas par un lien matériel, éphémère et périssable, bien au contraire, il la consigne dans une forme plus abstraite, durable et intemporelle. Au début de la sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit: craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul esprit et qui a tiré de celui-ci son épouse. Cette union que Allah subhanahu wa ta'ala favorise n'est pas celle des corps, loin de là. Il cherche avant tout à bâtir les liens sur une grâce unique, c'est-à-dire un seul esprit. Pour illustrer cette description symbolique, considérons la parabole du soleil et de son rayonnement. Si le soleil en tant qu'astre illumine tout le système solaire, si le soleil en tant qu'astre qui constitue l'esprit unitaire, son rayonnement qui illumine tout le système solaire représente la femme. Le soleil sans son rayonnement perdra son état qualitatif et le rayonnement sans le soleil ne sera qu'obscurité. En d'autres termes, ni le soleil ni son rayonnement ne peuvent se soustraire l'un à l'autre. L'existence de l'un engage l'existence de l'autre et l'existence de l'autre implique l'existence de l'un. En somme, ils ne font qu'un sous deux apparences matérielles différentes. Ce qui me semble être clairement établi par Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces différents versets est que dans cette singularité de l'esprit, les hommes et les femmes doivent pouvoir contempler le reflet de leurs âmes et ainsi oublier leurs différences extérieures afin de les saisir pour ceux qui les oublient au plus profond d'eux-mêmes. Ces versets sont un véritable rappel à l'humanité et surtout une incitation à la réflexion. Réfléchissons donc. Dans de nombreuses sociétés, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, les femmes subissent diverses formes de domination qui leur privent de leurs droits les plus élémentaires. Au nom d'une certaine vision du monde et des relations d'affaires individuelles, certains n'hésitent pas à s'octroyer des droits d'agir. Interdiction au mouvement, interdiction à l'instruction, interdiction aux choix personnels et ainsi de suite. Si nous analysons le cours des événements historiques et politiques, nous remarquerons que de tout temps, la femme est passée par une lutte acharnée pour d'une part faire valoir ses droits et d'autre part faire sa place parmi les hommes. Cela m'amène à introduire une question dont je vous laisserai le soin de répondre, car elle interpelle la conscience avant tout. Une telle lutte vous paraît-elle conforme à l'idée recherchée dans le verset que j'ai introduit? De reconnaître que voir une femme lutter pour ses droits et sa place est injustifié. Revenons 2 ans en arrière, octobre 2012. Dans la vallée du Swat au Pakistan, une fille âgée de 14 ans se rend à l'école. Un homme aborde le bus dans lequel elle et ses amis sont assises. Il cherche quelqu'un en particulier qui, grâce à son blog, dénonce l'interdiction aux filles de s'instruire formulée par les talibans. Il l'identifie, tire et la blesse grièvement. Elle s'appelle Malala Yousafzai, militante pour le droit à l'instruction des jeunes filles. À un si jeune âge, la question du droit à l'instruction ne devrait même pas se poser, tant elle nous paraît découler tout naturellement de l'obligation qui nous incombe à chacun. A-t-elle été victime de la loi des hommes, de la culture, du système de croyances? Je vous renvoie au premier verset de la sourate An-Nisa. En suivant la ligne directrice du verset introduit, je cherche à susciter l'interrogation chez vous, car de près ou de loin, dans la vie de tous les jours, nous sommes tous confrontés à ces problèmes à différents degrés. D'ailleurs, un paradoxe mérite d'être souligné. Nous nous comprenons sur les doigts de la main de nombre de femmes ayant réussi à accéder à des postes de dirigeants, et cela devrait nous intriguer. Une femme
nommée Sultane, résident à Lyon en début du XIIIe siècle. Nina est une présidente, mais garantie en Indonésie en 2001. Et quelques femmes nommées premières ministres, dont la plus connue est Benazir Bhutto au Pakistan en 1993. Quel constat doit-on établir? Les activités des hommes et des femmes doivent-elles être limitées à leur fonction première sans tenir compte des compétences qu'ils acquièrent au cours de leur vie respective? Pour continuer ce voyage, je souhaite revenir aux figures du planète les plus communes dans la tradition chiite, des femmes que nous admirons. Première épouse du prophète de l'islam, la princesse des Quraysh, Khadija bint Khuwaylid. Nous ne pouvons nous empêcher de souligner son dévouement pour le message prophétique et sacrifice de sa richesse pour la cause de son époux. Pourtant, un autre aspect de sa vie matérielle et affective mérite également tout son temps. Elle, qui fut l'une des personnalités les plus riches de l'Arabie, elle était une femme indépendante et active. Véritable maîtresse des lieux, le nombre de ses caravanes chargées de marchandises égalait celle des particuliers destinés à la Syrie ou au Yémen. Vous l'avez deviné, il s'agit de Sayyida Fatima al-Zahra alayha salam. Et une belle femme très jeune, Sayyida Fatima alayha salam avait grandi dans le giron de son père, le prophète de l'islam, qui assura le rôle paternel et maternel. Le portrait qui ressort assez souvent des récits historiques de Sayyida Fatima alayha salam est celle d'une femme douce, tendre et attentive à l'égard de son père, de son mari et de ses enfants. Nullement impliquée dans les affaires commerciales ou politiques, elle remplit de manière remarquable son rôle de fille, d'épouse et de mère tout au long de sa vie. Cependant, la personnalité de cette grande dame ne se résume pas à cela. Après le décès de son père, suite à la division des musulmans sur la question de la succession du noble prophète, elle mena une activité politique intense, d'une part défendant auprès des Médinois le droit légitime de son époux à succéder à son père, et d'autre part affrontant le pouvoir califal en place sur la question des terres qu'elle avait élevées. Quand nous étudions cet aspect de sa personnalité, nous remarquons combien la femme patiente que nous avions connue est aussi brave et courageuse. Sayyida Fatima alayha salam restera ainsi un exemple énigmatique d'une femme capable de mener toute une vie pacifiquement auprès de son mari et de ses enfants, et au moment opportun de se défendre corps et âme contre les injustices dont elle et sa famille avaient été victimes. Enfin, la dernière figure est encore une personnalité remarquable. Sayyida Zainab alayha salam. Nous tournons de sa vie à la bataille de Karbala, où elle afficha un hommage caractéristique de sa mère Sayyida Fatima alayha salam. Sur les traces de sa mère et de sa grand-mère, elle sut se montrer à la hauteur de son héritage. Une petite annonce avant de passer la parole. Je voulais juste faire une annonce très importante. On a besoin d'un coup de main de tous ceux qui ont une voiture aujourd'hui, parce que le chauffeur du car est parti. Donc il faudrait ramener tout le monde à vivre. Donc tous ceux qui ont une voiture, s'ils peuvent donner un petit coup de main, ça serait très apprécié. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. اكسر لي من الحلال والحرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شير بريزيدون باي الحاج حسن كمالي. Mes très chers frères et sœurs, voilà Mortem, Bayo Pétan, voilà Babilo, mes chers enfants, Assalamu alaikum, Kalim alaikum, wa rahmatullah. Pour commencer, par politesse, je me présente, je m'appelle Monsieur Charles Fou, je suis le responsable pédagogique de Merfi Zenimab, c'est-à-dire du Madressa de notre groupe ici présent. Et tout d'abord, permettez-moi
à vous toutes et à tous de vous souhaiter, donc au nom de notre Jamaat, Mahfil Zainab, et particulièrement au nom de notre Madrasa Saniyah Zahra Madrasa, un Bilabali Mubarak à l'occasion de l'heureux anniversaire de cette noble dame de l'islam, Sayyida Fatima Zahra alayha salam. Et du fond du cœur, je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il réalise tous nos vœux par la grâce de nos 5 manjatans et de nos 14 marsoumanes. Encore une fois, je tiens aussi particulièrement à remercier très sincèrement Bay Hassan Kanani et son honorable épouse, notamment Benoudrakida Kanani, pour avoir fait tout le nécessaire pour la location de cette salle en fonction de notre arrivée. Je tenais personnellement à ce que nous inaugurions notre séjour ici en Suisse en rendant hommage donc à cette noble dame, Ma Fatima Zahra, dont les enseignements, vous l'avez bien vu, sont toujours d'actualité, plus que jamais aujourd'hui. De même, je vous remercie vous tous, les mouminines, membres de Jamaat, mais quand je vous vois réunis comme ça côte à côte, de la personne la plus âgée au plus petit, j'ai envie de parler de famille. C'est plus qu'un Jamaat, c'est une famille, alhamdoulilah. Vous savez, alors vous êtes venus ici à notre rencontre pour rendre hommage à Sayyida Fatima. Et vous savez, lorsqu'un mormine vient à la rencontre d'un autre mormine, en langue arabe, ça s'appelle ziyara, une visite pieuse. Et je prie là aussi Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous accorde le tawfiq de renouveler ce genre de ziyarat, c'est-à-dire ce genre de rencontre islamique à l'avenir pour le rapprochement de nos deux communautés sœurs francophones. En parlant de ziyarat, j'attire votre attention sur un petit geste susceptible, Inch'Allah, de vous apporter la sérénité dans votre cœur. Savez-vous lorsque les abats de l'imam Hussein alayhi salam à Karbala, quand ils vont au pèlerinage, et particulièrement pour Al-Wa'im, c'est-à-dire pour le 40e jour de la tragédie de Karbala, lorsque les Arabes se dirigent vers le haram de l'imam Hussein A.S., que voit-il? Le premier regard se pose sur le dôme d'or, ok? Mais au-dessus de ce dôme en or, il y a un drapeau noir qui flotte dans le vent, tel un signe de ralliement de tous les chiites du monde entier. Et bien ce drapeau noir, ce symbole fort, les responsables du mausolée à Karbala nous l'ont offert à notre groupe de Zawal lorsqu'ils sont partis en pèlerinage à Karbala pour Al-Wa'im, et à notre tour, puisque nous sommes venus à votre rencontre comme Ziyarat, nous sommes venus dans nos bagages avec ce drapeau que vous voyez ici dans ma gauche. Alors c'est un symbole très très fort, parce que peut-être parmi vous, il y a des personnes, des membres qui n'ont pas eu la chance encore d'aller à la rencontre de notre imam Hussein alayhi salam à Karbala. Eh bien je me suis dit, telle une flamme, ne parlons pas olympique, mais une flamme spirituelle, nous avons apporté ce drapeau afin que tous solidairement nous puissions rendre hommage à l'imam Hussein alayhi salam à travers nos salutations et à nos Ahlul Bayt. Je demanderai humblement à notre président Hassan Baykalani de bien vouloir nous rejoindre afin que nous dévoilions